C'est vous la petite sœur de Sierra, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que vous voulez ici? Ça, c'est vraiment triste. Mais de toutes les façons, comme tu es là, je voudrais vous faire une offre. C'est une offre qui aidera ta sœur. Oh mon Dieu, qu'elle est dégoûtante à la vue. Je t'avais prévenu, Sierra, et tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, voilà les conséquences. J'espère que cela te servira de leçon. Pour faire une guerre, il faut avoir les moyens de la gagner. Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui m'as fait ça? Bien sûr, pourquoi tu as un corps aussi noir? N'oublie pas que bien, tu es au ciel qui te voit. Même si tu fais rien aujourd'hui, demain je te punira. Assez. Tu étais prévenue. Je t'avais bien averti, Sierra. Et tu as voulu me défier. Voici les conséquences et il faut bien que tu les endosses. Je n'ai pas envie que ton sang me reste dans les mains. Alors tu sais quoi? Je suis venue te faire une proposition. Pars, Beyoncé! Pars avec ton offre! Pars! S'il te plaît, sors d'ici! Pourquoi tu fais du mal à une pauvre orpheline comme moi? Je n'ai rien à traiter avec quelqu'un comme toi. Nous ne sommes pas du même monde. Et je voudrais que tu saches que mon Dieu ne dort pas. Tu me fais de la peine. Je voudrais te laisser une chance qui te permettra de rester le plus loin que possible de mon cher petit ami. Donc je te refais mon offre. Vois-tu, je voudrais te faire transférer dans une autre clinique pour de meilleurs soins. Et là-bas, on te fera une bonne chirurgie. À l'issue de cela, tu auras une nouvelle face et une nouvelle identité. Tout cela à ma charge. Pour Raj et pour tous les autres, tu seras considérée comme morte. Personne ne doit leur bonne chance. Bonjour Eva. Ah, bonjour. Comment est-ce qu'il va? Très bien. Il va de mieux en mieux. Sierra. 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 Beyoncé. Je suis désolé, Beyoncé. C'est rien, je comprends. Maman m'a tout raconté. Elle m'a dit comment tu as dépensé. Que tu as pris tous les soins en charge ainsi que l'ordonnance. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Crois-moi, sincèrement, ça me touche beaucoup. Je t'en prie. Je t'aime, Raj. Là, je m'en vais. Au revoir, Eva. Eva. Où est Sierra? Elle a été transférée dans une autre clinique pour de meilleurs soins. Et qui va payer pour ces soins? Bien sûr que c'est maman.
Salut. Comment va mon fils aujourd'hui? Je vais bien. Où est Sierra? Maman, comment va Sierra? Maman, ne me dis pas que Sierra est morte. Elle est morte comme ça? Elle est morte, Raj. Je suis désolée. Elle est morte. Oui, sœur, je suis là. Est-ce que tu vas bien? Oui, sœur, sauf que j'attends que tu t'endormes pour que je puisse aller à la maison. Pourquoi? Comme tu vois, grande sœur, depuis hier, je n'ai encore rien mis sous la dent. C'est pour ça qu'il faut que j'aille à la maison pour voir si je peux préparer quelque chose à manger. Bientôt, tout ira bien. D'accord? Crois-moi, tout ira bien. Il faut juste qu'on s'accroche. Il faudrait seulement que personne ne sache que j'ai encore en vie. Il faut qu'il continue à croire que je suis morte. Sinon, on risque d'avoir encore d'autres ennuis. Calme-toi, sœur. Remercions Dieu que tu sois encore en vie. Pour le moment, tout le monde croit que tu es déjà morte. Beyoncé et Raj sont venus hier à la maison et nous sommes sortis faire un tour en ville. Et après, on est allé au cimetière. Imagine-toi. Raj insistait pour voir où tu avais été enterré. J'étais obligée de leur montrer une tombe quelconque. Il s'est retiré là et s'est mis à verser des larmes. C'était touchant de voir comment Raj souffrait de ton absence. Grande sœur, calme-toi. Arrête de pleurer. Raj, je suis allé là-bas 6 fois et je n'ai pas pu voir Debbie. Les voisins m'ont fait savoir qu'elle avait quitté la maison depuis 2 semaines. Et aussi, quand j'essaye son téléphone portable, ça ne passe pas. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans elle maintenant. Calme-toi, Raj. Ça va aller. Elle est morte à cause de moi. Tout ça à cause de moi. Elle est partie avec mon cœur. Mais comment je vais pouvoir vivre avec ça dans mon cœur? Calme-toi, Raj. Calme-toi. Il faut être fort. Bobby, j'étais morte à cause de moi.
Elle est morte à cause de moi. Oui, à cause de moi, Bobby. Tu es au courant que ma soeur et ma mère sont allées à un funérail? Oui, c'est ce que j'ai entendu. S'il te plaît, donne-moi mes chaussures, on bouge d'ici. Voyons, Raj, je pense que nous devons attendre le docteur. N'aie aucune crainte, la facture a déjà été payée. Trouve-moi ma chaussure, il me faut seulement aller voir Debbie. D'accord. Bobby, donne-moi ma chaussure. Ça va aller, Raj. Donne-moi ma chaussure. Donne-moi ma chaussure, je dois aller voir Debbie. Une fille qui a les longs cheveux comme ça. C'est bon, Raj. Calme-toi, on va la retrouver. Salut, Debbie. Bonsoir, Ash. Debbie, c'est la vie. Cesse de pleurer. Pleure pas, s'il te plaît. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ne pleure plus. Mon cœur aussi est rempli de trop de chagrin. Tu ne peux pas t'imaginer. Écoute, ça va. Ça va. Je suis tes larmes. Oui, ça va. Nos larmes ne pourront pas nous ramener, Ciara. Essayons seulement de nous calmer. Je vais m'occuper de toi, d'accord? Tu es sous ma responsabilité maintenant. Comment te débrouilles-tu? Je n'ai pu rien faire depuis hier. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas d'argent. Tu n'avais pas d'argent. Pas d'argent. Il ne faut pas que l'argent soit un problème, d'accord? Chaque fois que tu auras un problème, n'hésite pas de prendre ton téléphone pour m'appeler. Compris? Je ferai tout pour t'aider parce que j'aimais tellement ta soeur. Ça, c'est le moindre que je puisse faire. Si tu as besoin de n'importe quoi, prends juste ton téléphone et appelle-moi. Je ne voudrais pas que tu souffres. Grande sœur, Raj t'aime beaucoup. Hier, il a confirmé qu'il pense toujours à toi. Je l'ai encore accompagné à ta tombe hier. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Il pleurait comme un enfant. J'ai essayé de le calmer en vain. Il m'a également donné 500 000 pour mon inscription à l'école. Il est vraiment formidable. Il a promis de s'occuper de moi à cause de son amour pour toi, grande sœur. Il ne pourra jamais t'oublier. Ça va, calme-toi, grande sœur. Cesse de pleurer. Oh, pourquoi ce destin? Grande sœur, calme-toi, c'est bon. Pourquoi dois-je me cacher?
Raj, comment tu vas? Comment tu vas, Raj? Mais pourquoi tu as garé dehors? Mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pouvais entrer avec la voiture. Tu vas tomber malade à force de rester comme ça. Reprends-toi, s'il te plaît. Oh, Bobby, crois-moi, cette vie ne vaut vraiment pas la peine. Tu dois te reprendre, Raj. Il faut te reprendre. Écoute. Ciara est morte et enterrée. Et la vie doit continuer. Oui. Aucun miracle ne peut plus la ramener en vie. Faut que tu comprennes cela, mon gars. Tu peux encore tomber amoureux. Donne-toi une nouvelle chance. Alors, comment pourrais-je bien me sentir? Comment pourrais-je bien me sentir étant seul? Je souffre de solitude, Bobby. Et ce, depuis 6 mois. 6 bons mois, vois-tu? Chaque fois que je regarde une fille, c'est Sissi que je vois. Je ne peux plus aimer mon gars, crois-moi, j'ai perdu mon cœur. Mais voyons, Raj, si tu continues à penser comme ça, tu vas te faire du mal. Réveille-toi et regarde les choses autrement. Après tout, la vie doit continuer. Cesse de vivre au passé. Donne-toi une nouvelle chance en amour, Raj. N'oublie pas que Beyoncé n'a jamais cessé de t'aimer. Et elle est là. Tu es un million, garçon. Donne-toi une seconde chance en amour. Réveille-toi. D'accord? Ça va aller. Entre dans la voiture, on bouge. C'est vraiment beau. Croyez-moi, je vous assure. Nous avons réussi. Vous avez la chance. Dis-moi, Debbie, à quoi j'ai l'air? Je te trouve encore plus belle.
Tout ce que tu vois ici, c'est pour toi. J'espère que tu veux rire. Quelle blague! Je suis sérieuse. Ça peut pas être possible. Je ne blague pas. Tu consommes ce que tu dis là? La maison et tout ce que tu vois ici. Arrête de me blaguer, toi. Si, c'est sérieux. Dis-moi, c'est vraiment moi? Et tout ce qu'il y a. Non, je n'arrive pas à croire. Tu es une folle. Mais c'est pas vrai ça. Oh, franchement, Beyoncé, je t'aime beaucoup. Je t'aime. Hey, Debbie. Dis-moi, comment tu vas? Très bien, ça va. Je passais dans la zone et je me suis dit qu'il fallait que je te rende visite. Waouh, merci. Ça, c'est bien. Maintenant que tu vas à l'université, je pense que tu devrais vraiment trouver du temps pour réviser tes leçons. Parce que, en fait, tu sais, l'université, c'est pas facile, hein. C'est loin d'être le secondaire. J'espère que tu me comprends. Oui, compris. Oui. J'espère que tu te rappelles que je t'avais promis de t'aider la dernière fois. Là, je suis venu avec un peu d'argent pour que tu puisses t'inscrire et t'acheter des petits trucs pour faire. Allez, viens, c'est dans la voiture. Permettez-moi de vous voler votre copine. Hein. D'accord, sans problème. Voilà, tiens. C'est pas fini, il y en a encore. Voilà. Oh, merci beaucoup, Rach. Je voudrais être avec ça pour le moment que tu te mettes un peu à l'abri des besoins. D'accord, merci. Ben écoute, c'est normal. Merci, Rachel. Mais tu m'embrasses pas? Oh! Excuse-moi. Prends soin de toi, d'accord? Et n'hésite pas de m'appeler dès que tu as un problème, d'accord? D'accord, merci. Oui, au revoir. Marche droit devant toi pour être prêt. Oh. Hé, hey Raj, tu es là? Ah oui, Bobby. J'essaie de chanter au sujet de l'amour, mon gars. Je t'ai écouté. Mais franchement, tu sais, toutes les musiques qui parlent d'amour nous ramènent toujours Sierra à l'esprit. J'arrive pas à l'oublier, mon gars. Crois-moi, c'est comme si elle vivait dans chaque fibre de mes pensées. Et je ne sais comment expliquer. Au fond de mon âme, c'est comme si elle vivait toujours. Je crois pas que je pourrais aimer une autre personne. Comme j'ai aimé cette fille, elle a été vraiment ce que je voulais. Mais l'amour me l'a arraché. Oh, je te comprends, mais il faudrait vraiment que tu te réveilles. Car vois-tu, ça fait plus d'un an que cette fille est morte. Il faut que tu cesses de te tourmenter à cause d'elle. Écoute, mon frère, c'est le passé. Je crois qu'elle est partie, et pour toujours. C'est le moment de t'investir à fond dans ta relation avec Beyoncé. Ah, écoute, man, c'est ce que mon esprit ressent. Beyoncé ne peut pas remplacer Ciara. Et tu le sais bien, Ciara était unique. Elle était l'unique personne qui avait la clé de mon cœur. Elle était unique. So
salut. Salut. J'ai vraiment aimé votre prestation de tout à l'heure. Vraiment. Et je tenais à vous féliciter pour cela. Vous êtes vraiment une bonne chanteuse. Merci. Pourrais-je vous donner une bise pour cela? Désolée. Je n'embrasse pas les inconnus. Ok, sans problème. Mon nom c'est Raj. Raj Johnson. Moi c'est Missy. Missy Bell. Joli prénom. Je reviendrai vous revoir chanter. Votre chanson de tout à l'heure était vraiment très bien. C'était comme si cette chanson s'adressait directement à moi. On dirait que vous l'avez écrit en vous inspirant de ma vie. Chaque mot de votre chanson, chaque part s'adressait presque à moi. Et votre voix la chantait si bien. Franchement, vous m'avez touché. Je suis désolée pour ça. Qui est cette personne dont vous parlez? Son nom c'est Ciara. Ciara était ma petite amie. Et sincèrement, je l'aimais. Je suis désolé. Dites-moi, pourrais-je avoir votre numéro? Un numéro sur lequel je pourrais souvent vous appeler. Désolé, je ne peux pas vous le donner. Je n'ai pas de contact. Donnez-moi le vôtre. Ah, d'accord. Mais là, j'ai rien sur quoi noter. Il faut dire, je vais retenir. Alors, c'est le 97 91 93. D'accord. Vous allez m'appeler. Je vais vous appeler. S'il vous plaît, je serai très heureux si vous le faites. J'espère vraiment que vous le ferez. Je vous appelle. Promis. Promis. Sincèrement, Messi, cela me fera vraiment trop plaisir. Bonne soirée. Raj, qu'est-ce que ça signifie ça? Comment peux-tu te ridiculiser de la sorte devant Bobby, mon garde du corps et moi, en suppliant une fille de boîte pour son numéro? On dirait que ça ne va pas. Tu me déçois. Tu me déçois vraiment. Et que dès maintenant ce soit clair, c'est pas parce que je vis avec toi que je dois croire que je suis en prison au point de ne pas pouvoir voir une autre fille. Et si tu ne le savais pas, alors, sache que je suis comme ça. Moi, je suis libre de parler à n'importe quelle fille. Et cette fille à qui je parlais me rappelait quelqu'un que j'ai connu. Une personne qui m'était très proche. Et si tu pouvais savoir ce que cette personne a fait pour moi? Qu'est-ce que cette fille a fait pour toi? Vas-y, dis-moi, Raj. N'oublie pas que tu as failli perdre ta vie tout simplement à cause de cette fille. Oui, tu ne peux pas le comprendre parce que cette fille est morte à cause de moi. Je suis désolé. Excuse-moi. Comprends-moi. D'accord? S'il te plaît, ne prends pas tout cela mal. C'est qu'il arrive des moments où je perds la tête. Essaye de me comprendre, mon bébé. Raj. Est-ce que tu voulais dire que si Ciara n'était pas morte, je ne pourrais pas espérer t'avoir pour moi toute seule? J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Bientôt, tout sera fini. Tout sera fini, je te promets. Je m'en vais. Votre
chanson de tout à l'heure était vraiment très bien. C'était comme si cette chanson s'adressait directement à moi. On dirait que vous l'avez écrit en vous inspirant de ma vie. Chaque mot de votre chanson, chaque parole s'adressait presque à moi. Et votre voix la chantait si bien. Franchement, vous m'avez touché. Je suis désolée pour ça. Qui est cette personne dont vous parlez? Son nom c'est Ciara. Ciara était ma petite amie. Et sincèrement, je l'aimais. Je sais que c'est toi. Cette même fille qui ne voulait pas me laisser vivre en paix avec l'amour de ma vie. Et j'apprécierais que la prochaine fois que tu viendras ici, que tu cognes. Et je déciderai si tu pourrais rentrer ou non. Un peu de bonne manière. Tu es courageuse. Après tout ce que je t'ai fait et tout l'argent que j'ai gaspillé sur toi, tu as le culot de te mettre devant moi et de me parler de cette façon? Ciara. Hé, hey, rectification. Moi, c'est Messi. M-E-2-S-Y. Messi. Tu sais, tu es vraiment une ingrate. Mais n'oublie pas qu'on a passé un accord et que tu dois le respecter. J'en ai assez. Maintenant, sortez de ma maison. Sortez de ma maison. Je vois que tu as vraiment de l'audace. Oui, tu es vraiment audacieuse. Mais tu sais quoi? Je t'avertis. Tu dois t'arranger pour que quoi qu'il arrive, tu restes le plus loin que possible de Raj. J'espère que c'est clair. Sinon, tu le paieras avec ta vie. Tu peux en être sûre. Bonne chance. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Frère Rash, je te présente ma cousine Messi. Messi, voici Rash. Heureuse de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Heureux de vous revoir. Mais vous êtes en train de pleurer. Ma cousine est en train de me raconter ce que Ciara a vécu et ce qui lui est arrivé. Je crois que son histoire est vraiment dramatique. Elle est morte à cause de votre amour. C'est maintenant que je comprends le sens de tout ce que tu me disais en boîte. Je suis désolée pour ce qui lui est arrivé. Que son âme repose en paix. Amen. Debbie m'a raconté tout ce que vous avez fait pour elle. Et je vous remercie pour tout cela. Mais je souhaiterais que vous restiez très loin de cette famille. Cette fille-là est mauvaise. Elle a le cœur vraiment diabolique. Voyez-vous, vous avez une façon de parler et un accent dans votre voix.
qui, sans vous mentir, me rappelle Ciara. Et votre présence me rappelle ce qu'elle a dû endurer. S'il vous plaît, je vous en prie, restez loin de nous. Je ne peux pas rester à l'écart de cette famille. J'aime Ciara, d'accord? Et tout ce que je fais, c'est pour honorer sa mémoire. Alors je me suis engagé d'aider sa petite sœur et de faire tout mon possible pour qu'elle ne manque de rien. C'est bon, calmez-vous, encourage. Débi, je suis dehors, d'accord? Oui. Ça va? Je vais bien. C'est juste. C'est juste que je pense à Ciara. Frère, ce n'est pas pour cette raison que nous sommes ici. Vous allez gâcher notre soirée. Je sais. Je suis désolé. Tu sais, c'est plus fort que moi. Je suis désolé. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui ne va pas? C'est Ciara. J'aime tellement Ciara. Ma vie ne peut plus être la même depuis qu'elle est morte. Vous êtes en train de vouloir tant pleurer. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Pleurez pas. Elle a sauvé ma vie. Et je ne pourrai jamais oublier cela. Ouais, la vie est vraiment injuste. C'est pas elle qui devrait mourir. Non. Dans tout ce que je fais, c'est elle que je vois. Arrêtez de vous en vouloir. Vous ne l'avez pas tuée. Je sais qu'elle est morte parce qu'elle a choisi de m'aimer. Pour le moment, vous aimez une autre personne. Vous êtes fiancé à une autre femme. Essayez de vous reprendre. Et fermez le chapitre de Ciara une fois pour de bon. Parce que Ciara ne reviendra plus jamais. Elle est morte. Où est-ce que tu vas? Je sortais prendre quelque chose. Ah, d'accord, mais si elle a? Elle est retournée au nord. Au nord? Mais ça depuis quand? C'était ce matin. Mais là, elle n'est pas sérieuse. Elle m'a pas dit qu'elle devait voyager. Sinon, donne-moi au moins son numéro. Oh, je suis désolée. Elle m'a fait promettre de ne pas te le donner. Elle m'a dit qu'elle voudrait rester très loin de toi. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'elle m'a dit. Je suis désolée. Ah, je comprends. Mais sinon, tu lui diras que j'ai été de passage, hein? Au revoir, Déby. D'accord, je le ferai. Stop. All tears fall.
Grande sœur, il t'aime toujours. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Comme ça, ensemble, vous pouvez aller faire je votre vie ailleurs. Je ne peux pas comprendre. C'est plus difficile que ce que tu crois. Début, je ne veux pas continuer de souffrir. Je ne veux pas continuer de souffrir. Écoute, ça va. Pourquoi ça doit arriver? Oh, pourquoi moi? Oh. Allô, Lily? Oui, là, Beyoncé est couchée, mais est-ce que tu peux rappeler après? D'accord, je lui dirai. Ciara, c'est toi, n'est-ce pas?
Je ne peux pas croire ça. Donc, depuis là, tu me mentais. D'où as-tu eu envie? Qui a envie? C'est bon. C'est bon. Calme-toi. C'est bon. Ah, Beyoncé, c'est toi. Vas-y, entre. Dis-moi, ça va? Tu espérais recevoir quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi? Pourquoi tu as l'air de te culpabiliser? Y aurait-il quelque chose que tu me caches? Ai-je l'air de quelqu'un qui cherche à cacher quelque chose? Écoute, j'ai pas de nouvelles de toi depuis plus d'une semaine. Tu ne m'appelles même pas. Y aurait-il une autre raison? Beyoncé, j'apprécie sincèrement ce que tu fais pour moi. Tu sais, j'ai besoin de sortir pour me rendre utile en faisant quelque chose d'important. Et c'est ce que j'essaye de faire. Vois-tu, j'apprécie ce que tu fais pour moi, mais crois-moi, j'ai vraiment besoin de m'installer à mon compte. Alors, qu'est-ce que tu es sérieusement en train de monter? Je suis en train de monter des affaires. Dis-moi. J'essaie de me relancer dans les affaires dont je t'avais parlé. Je suis en train de monter quelque chose. Et je sais ce que je fais. Et je crois que d'ici là, tout pourra aller comme j'espère. Raj, si tu avais besoin d'argent, il te suffirait de me le demander. Écoute, c'est pas un problème d'argent, Beyoncé. C'est juste que j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai envie de travailler. Béalon, tu n'as pas à t'en faire. Tu seras fier de moi après tout ça. Raj, ce que tu dis n'a pas de sens. Tu as l'air de quelqu'un qui essaie de s'échapper. J'espère que tu ne me caches rien. Raj, je t'aime. De toi, je suis vraiment amoureuse. Et ça, c'est depuis le premier jour qu'on s'est vu. Je voudrais, s'il te plaît, passer toute ma vie avec toi. Chaque fois que je pense à toi, je n'arrive plus à rien faire et tout mon esprit est bouleversé. Raj, tout ce que je le fais parce que je t'aime. Tu es ma seule raison d'exister. Tu es la seule personne qui me donne la joie de vivre. Je ne voudrais à jamais te perdre. Raj, le jour où je te perdrai, c'est ce même jour que je perdrai ma vie. Je t'aime, Raj. Je t'aime vraiment. Aussi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Beyoncé.
Pius, je veux voir cette fille morte. D'accord? Je voudrais que tu finisses avec elle. Est-ce que tu m'entends? Oui, Ciara. Ici. Ne t'en fais pas. Je contrôle tout, je contrôle tout. J'ai toute la situation en main, je te dis. Fallait m'appeler. Tu sais très bien que Beyoncé peut venir te surprendre ici. Est-ce que tu t'inquiètes tant? Je t'ai déjà dit que je contrôle la situation. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Quoi? Mais vas-y, dis-moi. Le visa est prêt. On va bouger. C'est pas vrai. Debbie, viens comme ça. Ah, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Tu sais quoi? Notre visa est prêt. Nous allons bouger. Oh mon Dieu, Rach, tu es vraiment merveilleux. Ouais, pour une fois, on va vivre en paix. Et tu sais quoi? On n'a que 2 jours. 2 bons jours. Oh mon Dieu. J'espère que tu n'as pas dit ça à tes parents. Non, par mesure de sécurité, je n'ai pas encore dit cela à mon oncle. Parce que dès qu'on arrive au Canada, on l'appelle pour dire qu'on est arrivé. Et je pense que c'est mieux. Et là, on n'a que 2 jours. Quand? 2 jours pour plier bagages. Maintenant? Ah oui. Debbie va fermer la porte. Wow! Vois-tu, Ciara, je t'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'on pourra vraiment vivre nos rêves au Canada. Toi, tu es l'amour de ma vie. Voilà. Devine. Oh, ma chérie, tu sais bien que je suis pas fort en deviner. Je suis sérieuse. S'il te plaît, raconte. Vas-y, devine. S'il te plaît, vas-y, raconte. D'accord. Je ne vois plus mes règles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'aurai un gros ventre. Oh, c'est oui. Pas vrai. Ça y est. Je sais le papa. Ah, c'est pas vrai. Non mais franchement, c'est merveilleux, tu vois. Ah, ah, on va enfin vivre notre amour. Rach m'appelle. Allô? Ciara, tu es à quel niveau? Oui, mon chéri. Oui, nous sommes en chemin. C'est pas vrai. On risque d'arriver en retard. On se voit au grand carrefour de chez toi. Et là, je te prends et puis on continue ensemble, d'accord? Au carrefour? Le premier ou bien le deuxième carrefour? D'accord. À l'endroit où la dame la vend le pain? Oui, d'accord. Mais dépêche-toi. Il faut que tu te dépêches. Tu sais, le vol est à 10 heures. Et ce n'est pas bien qu'on soit en retard. J'ai compris. Bien sûr que je suis contente, mais tu m'entends pas crier? Debbie, vas-y, crie pour qu'il entende. D'accord, mon chéri. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Ciao. Ah, c'est bon. Partons. Allons-y, dépêchons-nous. Nous attendons un peu. S'il vous plaît, quelques minutes.
vas pas venir, tu sais qu'il est en train de pleuvoir. Vous, c'est qui? Allô? Bien. Vous avez été discret. D'accord. Ah, salut. Dieu merci que vous soyez déjà là. Merci. 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 Comment elle va? Le docteur dit que ça ira, qu'elle a quelques traumatismes à traverser. Merci. Où est Debbie? Elle est morte. Elle est morte en chemin. Frère, je dois aller me reposer maintenant. On se voit plus tard. Salut, docteur. Soyez les bienvenus. Mon nom est Beyoncé et je suis la fille du président. En effet, je vous connais. Mettez-vous à l'aise. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Oui. Je crois que vous avez une patiente ici. Son nom, c'est Ciara. Oh oui, en effet. Faites-lui une injection mortelle. La tuer? Oui. Je suis désolé, madame, je ne peux pas faire ça. C'est contre l'éthique de ma profession. Je suis désolé. Voici 20 000 dollars pour vous. Je suis désolé, madame. C'est inhumain. Je ne pourrais pas le faire. Bien sûr, vous pouvez le faire. Et vous le ferez. Voyez-vous, docteur, vous êtes maintenant dans le secret politique. Mais pourquoi ne pas le faire vous-même? Dites-moi. Je préfère que ce soit vous. Parce que cette personne est l'une de vos patientes. Et ça ne marcherait bien que si c'est vous. Alors, je voudrais que vous le fassiez. Maintenant? Oui, maintenant. Mais je n'avais pas pris les dispositions de poser un tel acte avant. Docteur, ne jouez pas à ce jeu avec moi. Venez, allons.
Shine.